Ça va, Jenny? T'es toute chelou? Oui, ça va. Tout va bien, je plane. Non, sérieux, t'es chelou. T'as pris de la drogue? Mais non, j'ai pas pris de drogue. Quoique l'amour, c'est peut-être une drogue. Qu'est-ce que tu racontes, là, Jenny? Mais je suis pas chelou. Je suis love. Non, c'est qui? Bon, Jenny, raconte, là. On le connaît ou pas? Peut-être, peut-être pas. Va savoir. Oh, allez, t'es relou. Vas-y, raconte, je comprends pas. Allez, dès que t'es amoureuse. Laisse-moi dans ma bulle, love. Allô, Jenny? Oui? Je peux passer parce qu'il faut que je te parle d'un truc. Pas de problème, vas-y, passe. Ok, à tout de suite. À toutes. Alors, mon cher Léo, il paraîtrait que tu es hyper amoureux en ce moment. Bah, c'est le grand amour avec un grand A. Ah c'est bon? Vraiment. Ouais, bah oui, c'est. Je sais pas, c'est inexplicable quoi. Dès que je l'ai vu, ça a été comme le coup de foudre. Vous êtes rencontrés comment? En train. Dans le train? En fait, c'est vraiment. Ça a été le flash quoi, parce que je sors du train au moment où elle rentre. Et donc à ce moment-là, en fait, le frisson, tout de suite, j'arrête pas de penser à elle. Et donc en fait, c'est grâce à un site internet que j'ai réussi à voir, parce qu'en fait, c'est les gens qui se rencontrent dans le train, il y a un site internet comme ça où ils peuvent se retrouver. Et donc j'ai cherché. J'ai donné sa description et tout. Donc on m'a donné son adresse mail, j'ai envoyé un petit mail. Et elle aussi, apparemment, elle s'était rappelée de moi. Donc en fait, après, on s'est revus justement à cette gare-là. Voilà, c'est ça. On allait boire un verre, c'est plutôt bien passé. J'ai adoré son caractère. Elle est très douce. Puis elle est vraiment différente des autres. Alors pourquoi tu dis que c'est elle, le grand amour, c'est ton grand amour? Je sais pas, disons que ça se sent quoi. Enfin, j'ai l'impression quoi que c'est elle. Je peux pas vivre sans elle. Quand je suis pas avec elle, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Et t'es sûr que ça sera elle pour toute ta vie? Bah pour moi oui. Pour moi je suis persuadé que c'est elle pour toute ma vie quoi. Mais ça fait pas peur parce que t'es hyper jeune. Tu peux peut-être te tromper. Tu sais, on vieillit différemment, peut-être... Est-ce que t'es sûre qu'elle partage les mêmes sentiments que toi? Bah justement, non. C'est ça le problème. Comment tu sais? Bah j'ai l'impression qu'elle est de plus en plus distante, que moi je me vois déjà au mariage. Ah carrément? Ah oui, je veux avoir des enfants avec elle. D'accord. Sauf qu'elle, bah je sais pas. À chaque fois que je lui en parle, elle me refroidit un peu quoi. Donc je sais pas. Un petit conseil déjà, évite un petit peu trop de la pousser, même si ouais. T'as des envies super positives, que t'as envie d'avoir plein de bonheur, un mariage et tout ça. Prends la vie, prends ton temps. Au jour le jour. Au jour le jour. Et puis ça se trouve, ça arrivera, t'inquiète pas, mais prends tout ton temps. Ok. Tu reviendras nous voir? Quand est-ce que vous t'en es avec ta nana? Ouais, bah je reviendrai, je vous inviterai en mariage. Ah bah oui, j'ai envie d'être témoin. Voilà. Ça marche. Ok. Bon alors, c'est qui? Jenny, de qui t'es amoureuse? Où est Jenny, tu nous écoutes? Allô, la Terre? Oh, si vous saviez, il est trop canon! Mais c'est qui? Bon, laisse tomber, Mathéa va bien finir par nous le dire. On va pas pouvoir tenir longtemps, à mon avis. Elle adore qu'on la supplie comme ça. Bon, alors, vous ne voulez pas savoir qui c'est? Non, franchement, là, plus maintenant, ça m'a saoulé. Bon, bah ok, je vais vous le dire. The winner is... Justin Timberlake! Ah, mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Non, mais c'est pas possible. Tout ça pour ça, t'es grave. Oh là là!